Bon, j'enregistre. Ça filme. Ouais, c'est pas mal. On passe par là. Je te suis. Attends, j'ai pas compris. J'ai verrouillé le zoom ou pas? Ah non, là, je l'ai déverrouillé. C'est encore tigre, on n'a rien oublié. Oui, on va pas déranger les boulistes. C'est bien, c'est la bonne humeur. Le chemin par là-bas. Ah bah non, regarde, elle est coincée. Ah non, là. Ouais, là. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Effectivement, nous devenons les randonneurs de l'extrême. Eh hey, c'est pas sécurisé, hein. C'est pas du tout sécurisé. Oui, bah, merci de te pencher au côté opposé, pas tomber. Aujourd'hui, dans les randonneurs de l'extrême. Le caillou sur le bord, j'aime pas du tout. Celui-là, il va finir planqué dans le végétal, je préfère. Oh là là, alors là je suis surpris qu'ils aient pas posé de rambarde. Vraiment. Oui, il y a une grosse voie de circulation ici. Enfin, je veux dire au-dessus, la dernière nuit. Je vois un bus qui passe. Ouais, c'est malheureux ouais, d'avoir le mur qui penche comme ça. Ouais, il risque de s'effondrer. Ouais, je sais pas si on le voit à la caméra, mais. Ouais, c'est dommage. Alors, justement, le P barré, je dis pas de bêtises, à vérifier. Je pense comme Nayane, ouais. Je crois que ça veut dire vous n'avez pas le droit de parquer votre péniche. Et en fait, c'est une aire de demi-tour pour pouvoir faire une rotation avec votre embarcation et repartir dans le sens opposé. Exact. D'ailleurs, il y a un autre indice qui nous laisse deviner que c'est effectivement pas une aire de stationnement pour navire, puisqu'il n'y a pas de ponton, il n'y a pas d'amarre.
Ouais, c'est l'étrange perche à tout. Alors, Nayonnais, à côté de ces pompes. Oui, je crois que c'est un permis de passer là, j'ai l'impression. Ça y est, crevaison pour Nayonnais, c'était Ib. Bah, je passe un petit peu devant, t'inquiète pas, je marche tout doucement. Les herbes, enfin les algues en surface de l'eau. Arf, l'eau est trop chaude. Ah, t'es déjà là? Oui. Je pensais pas que tu m'y avais. Pour... Oui, t'as réussi furtivement, c'est ça. Ouais, tu as réussi à me surprendre. Je pensais que t'étais plusieurs mètres derrière moi. Ça pique plus, je suis content. Comment ça pique plus? Il y avait une herbe qui rentrait dans le. Qui grattait la peau. Oh. Dure, en herbe sèche. Entre la chaussette et la chaussure. Oui. J'avais pas un mot. Ce que je te propose, c'est qu'on passe la passerelle. On passe, on fera de l'autre chemin. Celui qui est long des jardins. Je te suis. Effectivement, on a de plus en plus de monde. On voit qu'on rejoint la civilisation.
Ah oui, il y a une autre anecdote de faute professionnelle qui s'est finie en procès, qui me revient à l'esprit. C'était un moniteur de moto-école. Et en fait, il y avait une élève au permis moto qui s'était tuée, malheureusement. La faute qui avait été, enfin deux fautes avaient été reprochées au moniteur. Ok, ouais, je te suis. Au moniteur de moto-école. En fait, il avait mal réglé la moto. Il avait mis un serrage, équilibrage des freins 100% total sur la roue avant. Et c'est ce qui a en partie causé la perte de la demoiselle qui a freiné trop brutalement. Donc la roue avant s'est bloquée et l'arrière s'est levée. C'est ce qui l'a tué au niveau de la moto. Donc il a fait un salto avant non contrôlé. Et l'autre faute était que sur le terrain d'entraînement, ils étaient malheureusement plusieurs. Donc en exerçant à plusieurs, ils se sont mis en zone de danger. Et la malheureuse y a perdu la vie. D'ailleurs, elle a même agonisé parce que la victime est restée hospitalisée plusieurs semaines. Et puis à la fin, voilà quoi. Paix à son âme. Et l'enquête avait mis là aussi des négligences professionnelles de la part du moniteur de l'auto. Enfin, l'auto. La moto-école. Voilà, triste histoire. Ouais, il n'y a personne qui arrive. On peut s'engager, c'est comme les engagements sur l'autoroute. Ouais. C'est comme un engagement sur l'autoroute. Faut faire gaffe. Ah, tu vois, il déconne zéro, cycliste met tes pieds à terre. Parce que le passage rétrécit. En fait, moi j'ai pas trop regardé parce que c'est des petits autos de priorité, mais bon, il y a de l'eau qui vient d'arriver. Ok. Ben, ça circule bien. C'est bien, il y a des jeunes qui s'éclatent. La jeunesse française est en grande forme. C'est des adolescents idiots. Oui, c'est bien, ils sont heureux. C'est ça qui est bon. Tu vois, quand je vois la pub là, de notre grande surface en ville, Inside the Game, où ils proposent un concours avec une espèce de chasse au trésor, je repense qu'on a une première promotion cette année. Métropole du Grand Nancy, c'était marqué. De quelques élèves, une douzaine, ils se sont inscrits. L'école Gamepad à Nancy. L'école Game. Ouais, un établissement privé de formation post-bac. Pour entrer dans le monde du travail en tant que développeur de jeux vidéo. C'est la première école à Nancy qui fait ça. Et là, ils terminent leur première année. C'est la première année de fonctionnement de l'établissement. D'accord. Donc, le proviseur fondateur de l'école privée a réussi. Alors, je ne sais pas comment il fait. Ce serait vachement intéressant d'interviewer. Je ne sais pas comment il a fait pour composer un collège de professionnels qui vont juger les élèves. Et en fait, ils doivent boucler leur année de formation
ils doivent boucler sur un projet. Ils ont 3 mois pour développer un jeu vidéo. Et le premier qu'ils ont développé à 12, si j'ai bien compris, donc les 12 élèves de cette première promotion, je ne sais plus le nom du jeu, Speed quelque chose, qui prend place à Nancy. Ils auraient modélisé la place de la porte de la craft. Donc ça m'intrigue. Je ne sais pas si on aura le droit d'accéder à leurs travaux. Est-ce que... Je sais pas, je serais presque tenté d'écrire à l'école, leur écrire un courriel et leur dire est-ce qu'on aura le droit, est-ce que par... vous ne pourrez pas instaurer une tradition de rendre en libre accès les travaux après qu'ils aient été notés des élèves, que tout le monde puisse en profiter en fait. C'est, je sais pas si tu comprends mon idée, Nayane. Ouais. Non, ça c'est intéressant. Le port de la craft modélisé à accéder. Je vais me déporter, elle arrive à côté, je vais faire tout ce milieu. Ah. Moi je resserre à droite. Mais je serais vraiment curieux d'accéder à leur production, à cette première promotion. Ah, ils ont de l'énergie à dépenser, hein, les jeunes. Non, mais ils vont finir à l'eau. Oh. Putain, alors, on est trop énervé à ce point. Alors, c'est rigolo parce qu'on est sur la rive opposée qu'on avait arpentée ce matin. C'est bien, on prend au retour. Très bonne idée, Nayane. De prendre le rive opposé, ouais. C'est ça, rive opposée pour le retour, c'est très bien. En fait, ils se permettent de faire vers l'autre parce qu'ils savent qu'il y a combien de traversées que j'en pète la gueule. Quoi. Mais non, ignore-les. Reste zen, Nayonnais. Comme on dit, il faut bien que jeunesse se passe. Grossier, mais. Mais. Oh. Je suis encore tolérant là-dessus, hein, sur les moqueries de la vie. Ouais. On a coupé ce passage parce que là, c'est dommage. Hein. Mm-hmm. Oh, t'auras oublié à l'époque de la diffusion. Là. Il y aura un décalage d'un mois. Ah là 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 là. Bon, pour le coup, j'ai envie de dire, j'ai une pensée pour ton chat Ah, oui. Avec Lys. Ouais, là il a droit à sa double ration d'eau là, en ton absence. La gamelle était remplie aux 3/4. Ouais, c'est bon ça. Ouais, c'est un bac de, je sais pas, de. Enfin, c'est une zone industrielle. Peut-être qu'il prend du béton. Je sais pas.
Je suis rien du monde sur la rive opposée. Eh, t'as bien choisi la rive, hein. T'as vu le monde? Ouais, je suis sur la rive. Pas tant que ça. Ouais, ouais, non, mais la rive opposée, il y a beaucoup de peuple. C'était une planche à problème, c'était pas un peu. Je sais pas. En tout cas, il va vite, ouais, mec. Vas-y, ok, caravane. Ouais. Ah, d'accord. De toute façon, je pourrais difficilement serrer plus à droite. Tu m'étonnes, il y a du trafic. Elle s'assèche la main, la madame, mais c'est bien, elle a dit qu'en même temps qu'elle va serrer à droite. J'aime bien le faire de manière très stylée. Elle se sèche alors ? Ouais, ouais. Et j'ai envie de casser le rythme. Je trouve même qu'on progresse un peu trop vite alors que l'instant présent est vachement agréable. Oui, je trouve qu'on tresse un peu trop. Pff, oui, mais oublie-les. Oh, qu'est-ce que tu peux rester en éponge imbibée de l'événement qui s'est passé et qui t'a contrarié. Ah oui. C'était ta. Ah oui, non, mais c'est t'es terrible. Hein. Ouais, zen. Ah, c'est apprends à devenir l'éponge qui se rince vite de pour redevenir neutre. Tu peux le faire, tu vas y arriver. Une éponge qui se vide. Ouais. Une éponge qui se vide, c'est une éponge qui coule de l'eau. Et l'eau, quand on coule de l'eau, donc c'est soit on va aux toilettes, soit on transpire, soit on respire, soit on pleure. Ah oui. C'était le coup des toilettes, j'ai quoi, quel rapport? Pourquoi choisir cette pièce? C'est toutes les zones d'évacuation de l'eau. Ok, ok. J'ai compris le raisonnement. Je valide. Crossfit de Rive. Ah, c'est une salle de sport, je pense. Donc l'endroit, à vrai dire, je connais pas. Ça va être une...
J'allais dire, les voitures qui sont agitées. Je refilme la rive. Ah, je retire un peu ma coiffe, il y a un peu d'ombre. Et je recasse le rythme. Ouais, fait du bien. Ah, faut que mon crâne respire. Ouais, voie verte de Grémillon. Ah ouais. Là, c'est construit du neuf. Ouais, c'est le retour du béton. Ouais. Mais ça va, ça c'est agréable. Alors, on voit une péniche au loin déjà qui est stationnée.
monde, il faudrait que tu restes derrière moi. Ouais, on voit que c'est des bâtiments neufs, on voit que la ville s'étend. C'est récent ça. Ouais, mais je me pose la question si c'est pas des vieilles maisons qui ont laissé place aux immeubles. Ce qui veut dire qu'on a une plus grande densité de population en fait. Des maisons ici. Ouais, ouais. Je sais pas, ou des, tu vois, des vieux bâtiments industriels. Ça fait bâtisse à la Tomb Raider. Ah, sur le côté. Ah, ils vont le démolir pour en faire du neuf. Mais ça fait vieil entrepôt. Bon bah si tu veux les polices là, si tu peux regarder Barbie, c'est quoi? Non, moi je rappelle que le seul film qui m'intéresse à venir, c'est Mood. C'est le film Gran Turismo. Ouais, ça va être mon plaisir de fin d'été, ou presque. Je pense qu'on aura une belle arrière-saison. Et je m'amuserai à vous faire une critique de film à la façon joueur du grenier, c'est rigolo. Kinépolis. Bowling aussi ils font. Si je dis pas de bêtises, c'est une salle de bowling. Il fallait y avoir un accident là. Le paysage de l'avertisseur sonore. Heureusement qu'on n'était pas dans la partie poussière. Ah oui, oui, alors le nuage. Tu vas arrêter de filmer maintenant? Non, non, je ralentis, mais je continue de tourner. Non, mais je voudrais éviter de respirer de la poussière, tu vois. Ah oui, j'ai pas fait la question de se tourner. Mmh. Ouais. Ouais, ça circule vite, je te l'accorde. Une scène qui sort du cinéma et qui dit « Ah, oh, je peux venir chez vous, ah. Je vais faire des parios, c'est génial ah. !» J'ai commencé à regarder en Tipiak le film, mais j'ai pas, je suis pas du tout... J'ai fait, le seul jeu Mario que j'ai fait, c'était le premier d'origine à Super Mario Bros. Sur Nintendo. J'ai passé très difficilement pour mes niveaux et tout le reste... Si, j'ai peut-être fait une fois ou deux du Mario Kart, mais j'ai pas encore accroché au personnage. Ouais, bah ouais. Mais il faut que je regarde jusqu'au bout. Thank you.
Oula, il y en a qui n'ont pas peur avec leur soleil. Donc on arrive au jardin d'eau. Bien. Eh bien. Je pense bien que je la connais celle-là. C'est la. Alors non, j'étais pas là pour l'inauguration. Non, je vais le dire. Pour célébrer le 25e anniversaire de leur gymnase, la ville de Kanazawa offre à la ville de Nancy cette lanterne qui symbolise la culture et l'histoire de Kanazawa et dont l'original se trouve dans le célèbre jardin du Kenro. Le 25 octobre 1998. Ouais. Et en fait, moi, j'avais rejoint l'organisation en tant que secrétaire que 10 ans plus tard. Donc évidemment, je connais bien l'histoire de... Ah, 98, t'étais jeune. Oui, ouais, ouais. Bref. Oui, tu penses bien qu'elle nous est précieuse. Et ouais, la lanterne de Kanazawa. Lien fort justement qui nous unit entre villes jumelées, Nancy, Kanazawa. C'est un plaisir, un bonheur et même un honneur que de la filmer aujourd'hui. Pour ceux qui ont joué à Japan Warrior 4, il y a le biome là qui est Asie du Sud-Est. Biome Asie du Sud-Est, c'est presque le même. Eh ouais, hein, c'est bien. Écoute, j'étais presque tenté. Tu sais qu'on est passé à côté d'une terrasse table, mais je sais pas si le resto est ouvert. Ah oui, on peut, ouais. S'ils acceptent la carte bancaire, je t'offre ton verre avec grand plaisir. J'ai la monnaie, ou au pire, t'as la monnaie s'ils acceptent pas la carte bancaire. On essaye ? Je suis vraiment tenté parce que c'est super agréable à faire, le temps est bon, il n'y a personne sur la terrasse. Mais à tel point que je finis par me demander si l'établissement n'est pas fermé, en fait. Mais j'aimerais vérifier. Bah, on est toujours en droit d'aller se renseigner. Ouais, peut-être qu'effectivement l'établissement est fermé. Je sais pas. Parce que je suis vraiment tenté de me mettre à long planquier, mais. Donc ils disent que c'est le restaurant des 100 patates. est-ce qu'ils font bar? Ah, vu la carte. Oh, regarde, il y a un bel impact, une belle graphite sur le poste. Oui, bon ça les abrutis qui pètent les portes. C'est justement en parlant des Japonais, on a la chance de faire l'Excelsior, qui est le resto prestige. Et une fois, on était en soirée officielle, et en plus, dans les invités japonais, on avait un proviseur d'un grand établissement scolaire japonais. Et figure-toi qu'il y a une rixe avec des abrutis en extérieur, ils ont fait voler en éclats la porte d'entrée de l'Excelsior. Oh. Je te dis pas la joie pour expliquer aux autres Japonais, ben, scène de risque, désolé, on a de la délinquance. Les policiers sont venus, machin. Et... Ça fait penser en Japon, il y a beaucoup moins de délinquance que dans quasiment tous les autres pays du monde. Ouais, mais ça se dégrade. Les prisons sont très dures. Ah oui. Mais ça se dégrade malheureusement. Il y a le dit terrorisme du sushi, je ne sais plus si je vous en avais parlé. Mais. Non, j'ai pas l'impression qu'ils fassent les boissons. Ah, 18h45, c'est pas l'heure. Ouais, c'est pas l'heure. C'est pas l'heure, c'est pour ça qu'ils sont pas ouverts. Mais je pense que non, ils proposent vraiment un truc resto, c'est pas bar. On l'aura eu dans le baba. C'est dommage, on aura essayé.
C'est dommage. Ah là 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 là. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est très bien. J'écoute, mais c'est bon, j'y pense. Bah alors ? C'est un truc personnel. Oui, 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 non mais. Je comprends, mais. Un peu sur le coup, j'ai dit, oh, merde, j'ai oublié de fermer la porte de mon appartement. Ah, j'ai laissé un truc sur le feu. C'est un détail, en fait. Ouais, mais tu me rassures. Bon, bah, ce qu'on appelle une occasion manquée, c'est pas grave. Il nous reste du lot ? Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui t'intrigue? Ah oui. D'accord. Merci. Ouais, le jardin d'eau. Ouais. C'est des bambous en fait, non? Oui, il y a du bambou. Ouais. Take en japonais. Oh, moins chaud. Oui, s'il te plaît. Mais bien vu, bien vu. Poser au plan d'eau. T'as besoin d'aide pour la réponse ? Non, merci. Alors, c'est bien, on voit des semblants de douche vapeur ou vaporisée. Chose évidemment que je n'expérimenterai pas, mais ça mérite d'exister. Parce qu'avec l'électronique embarquée, je vous dis pas la merde. Je tiens n'importe comment la caméra, pardon, mais. Ouais, c'est bien. Le scratch fait sa mission. Si je peux en même temps poser la perche, ce serait une bénédiction. Je vais essayer de la tenir fixe comme ça, je sais pas trop comment. Ouais, alors pardon, je filme un truc un peu bidon, mais je sais pas ce que vous allez voir en vidéo. Oui, un coin de ciel, c'est sympa. Ils entendent, ils t'entendent. Voilà. Mais ça fait du bien de se poser sur un banc. Pardon. Pourtant, je me suis inscrit dessus et ça a la même apparence que Twitch, que c'est violet ou noir et vert. Ouais, ils ont fait un copier-coller. Oui, bah, figure-toi que Twinsen a dit qu'il a réservé sa nouvelle chaîne comme sur Twitch pour peu que ça change de vapeur et que l'on se barre dans l'autre. Ça peut effectivement se produire à n'importe quel moment. Et moi, je t'avouerai que je me suis déjà intéressé à la plateforme et je vais pas tarder à m'enregistrer dessus aussi. Pour pas me faire usurper mon identité, même si je pense que je ne risque pas grand chose, mais c'est pour le principe. J'ai fait bon. Ouais. Ouais, ouais, kick. Je sais pas, je ne me prononce pas. J'ai pas assez d'informations pour dire est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est l'après-Twitch. Je n'ai aucune idée. Je n'ai absolument aucune idée.
C'est bien, c'est relax. On va peut-être essayer de boire un coup. Oh, attends, je vais peut-être retenir la caméra. Elle survit. Ma bouteille de flotte, elle est où? Ouais, attends, je retiens la caméra parce qu'il va pas aimer. Hop là, je suis bon. Bon, oh, c'est fini. Coucou. Attends, je n'arrive pas à voir la gâchette de commande. Ah merde, c'est là. Oh, malheur la perche. Mais non, mais non, mais non. Voilà, tourne, tourne, tourne. Ah, elle peut pas nous filmer, elle est à fond. C'est moi qui fais des bêtises. Tourne, 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 tourne. Tourne la grande. Ah, t'en voir. En train de m'apercevoir que la vis s'est barrée. Oh là. Ouais. La vis de quoi? La vis sur le côté. Ah, c'est toi qui la vise? Bah oui et non. Enfin, c'est en fait il y a un emplacement pour, mais je l'avais fait pour le. Visser, okay. Attends, est-ce que ma chaussette s'est faite défoncer peut-être? Non, pas totalement. Bah alors. Alors attends, je vais essayer de visser sans trop contraindre l'appareil. Non, il va pas aimer. Non, il faudrait que je le fasse quand la perche est éteinte. Tu te retires la vis que tu perds pas ta chaussette. Ouais, oui. Non, oui, non. Que je garde la chaussette, je vais surtout perdre la vis, oui. Oui, c'est ça. Ah. Oui, voilà. Non, là, j'y arriverai difficilement. Quoique, j'ai l'impression que j'ai une amorce de vis, mais. Je vais contraindre l'appareil, il va pas être content. Voilà, comme ça, vous nous voyez un peu. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Ça fait du bien de relaxer, d'étendre les pieds, la paume des pieds. Bah, c'est là où je pourrais faire entre guillemets mon MacGyver avec mon couteau suisse. Je le mets en mode tournevis et là je peux revisser le truc. D'ailleurs c'est peut-être ce que je vais faire justement. Ouais, 30 secondes. Je vais couper l'enregistrement 2-3 minutes. Le temps de faire cette manip effectivement avec le couteau suisse en mode tournevis. Je vais revisser la vis qui s'est barrée de la perche qui retient la chaussette et qui la protège. Et je relance l'enregistrement derrière. Ce sera mieux. Mouvez pour.